Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de l'EPST et le BCECO pour la construction des 145 écoles. Un acte qui vient répondre aux induits de la gratuité, dont les surpeuplements des salles par les élèves. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo SCC sollicitent l'accréditation des 600 observateurs à court et à long terme assignés à l'opération de l'identification et l'enrôlement des électeurs annoncée pour les débuts du mois de décembre 2022. Cette opération sera l'œuvre de la centrale électorale. Voilà ce qui justifie la rencontre ce vendredi 14 octobre 2022 entre la délégation de la plateforme de la mission d'observation électorale CENCO et l'ECC et le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Bienvenue Ilanga, à qui la délégation d'observation citoyenne conduite par Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission d'observation électorale citoyenne et chargé des programmes de la commission justice et paix CENCO, a remis une lettre de la CENCO et l'ECC adressée au président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus voir les autorités de la CENI, notamment le premier vice-président, avec qui on vient d'avoir des entretiens que je qualifie de très fructueux. C'était pour nous l'occasion de remettre notre demande pour l'accréditation de nos 600 observateurs qui vont suivre la suite du processus électoral. Ils vont commencer par l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. À la question de savoir si la collaboration entre la CENCO, l'ECC et la CENI est au bon fixe, Cyril Ebotoko répond. Le travail que nous sommes appelés à réaliser fait que nous sommes obligés de collaborer avec la CENI parce que nous apportons des contributions sur le travail que la CENI réalise en tant que colonne vertébrale sur la conduite des opérations électorales. Nos observateurs seront accrédités par la CENI. Mais aussi, c'est la CENI qui coordonne le programme d'éducation civique et électorale à travers le pays. Donc, il va sans dire que nous devons collaborer avec la CENI. Il tient de rappeler que la CENCO et l'ECC sont des organisations basées sur la foi chrétienne qui promeuvent la dignité de la personne humaine, la construction de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkoulou, a reçu en audience ce vendredi 14 octobre 2022 à Kinshasa, en son cabinet de travail à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, une délégation de l'ONG internationale IPAS, basée aux États-Unis et qui lutte pour la promotion de la santé des reproductions chez la femme. Conduite par le directeur pays de l'ONG IPAS RDC, Dr Jean-Claude Moulunda, cette délégation a échangé avec l'autorité politico-sanitaire de la République démocratique du Congo sur le projet IPAS dans la mise en œuvre de sa stratégie de la réduction du taux de prévalence des avortements insécurisés en République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion, Mwadi Mukenda, chargé de la mobilisation des ressources à IPAS, a indiqué que le but de leur visite en RDC est d'appuyer le bureau basé à Kinshasa. Je suis venue ici au Congo pour appuyer notre bureau. Nous avons notre directeur, Dr Moulunda, qui est là avec nous. Nous allons visiter pas seulement les activités que IPAS est en train d'appliquer ici au Congo, mais nous allons aussi visiter les partenaires. Le ministère de la Santé est parmi les partenaires les plus importants pour la mise en œuvre de notre stratégie, de la stratégie que nous sommes en train de mener ensemble pour réduire le taux de prévalence des avortements insécurisés ici au Congo. L'ambition qui motive IPAS est d'éradiquer l'avortement non sécurisé dans le monde. La structure a besoin des autres pour l'aider à faire de cette ambition une réalité, a-t-elle poursuivi. Cette fois-ci, je vais rester à Kinshasa.
Et c'est une occasion pour connaître l'engagement de la politique pour améliorer la santé de la reproduction. Donc avec cette connaissance, maintenant, je pense que j'aurai une compréhension beaucoup plus approfondie du travail qui reste à faire. Il faut noter que iPass travaille avec des partenaires qui partagent sa vision globale d'un monde où toutes les femmes et toutes les filles ont les droits et la capacité de prendre leurs propres décisions concernant leur santé reproductive. Après avoir travaillé pour la population démunie en République démocratique du Congo et en Afrique, en leur offrant de quoi vivre dans la société, l'association Liboke, que dirige le président Landry Milingo et son secrétaire général Micha Bolenge, primé par Maxi Agency avec les trophées Moussala Awards le dimanche 16 octobre 2022 dans une soirée de gala organisée dans la salle Africana Palace. L'association Liboke, qui a fait preuve aux côtés de la population, entre autres, prendre en charge la CPN et les frais de maternité de plusieurs mamans et offrir aux élèves démunis des ardoises, pour ne citer que cela, a reçu un certificat d'ambassadeur social et de développement aux mains propres du conseiller du chef de l'État en charge de la culture. Qui s'est déplacé, je crois, de la France, juste pour venir recevoir son prix. Est-ce qu'on peut bien acclamer l'association Liboke? M. Landry est arrivé hier pour personnellement recevoir ses prix. Merci beaucoup, monsieur. Ça nous fait chaud au cœur quand des gens prennent les avions pour venir recevoir leur prix. Ça nous fait chaud au cœur et une fois de plus, félicitations. Un mot, M. Landry? Oui, monsieur. Je voudrais remercier l'Assemblée, okay. Max Agency, Monsieur Moutombo aussi pour l'honneur que vous faites à Liboke. Merci aussi à tous ceux qui nous ont accompagnés, parce que c'est pas évident d'œuvrer dans ce genre de conditions où on voit des difficultés à tous les points de vue. Merci aussi à notre secrétaire général qui a fait un travail titanesque du début de Liboke jusqu'à maintenant. À la fin de la cérémonie, Landry Milingo, président de Liboke, a fait appel aux hommes et femmes de bonne volonté de venir contribuer afin que Liboke continue avec de bonnes œuvres en faveur de la population. Une grande émotion, effectivement, avec un grand travail qu'on a pu faire pendant tant d'années. Mais au-delà de ça, cette récompense qu'on a, c'est quand on voit le sourire de nos mamans, de nos enfants, qu'on aide. C'est vraiment cette victoire-là qu'on cherche. Après, effectivement, c'est un travail accompli et c'est une reconnaissance de l'État, du Congo, de l'Afrique tout entière. Et pour ça, vraiment, on est très émus. Avec le travail aussi titanesque que notre secrétaire général a fait sur le terrain. Et voilà, il y a eu vraiment de l'énergie, de l'amour qui ont été mis et le résultat a donné cette certification qui nous honore. Ça, c'est l'occasion. Je pense qu'avec ce prix-là, ils auront confiance. Ils auront la confiance de savoir que ce qu'ils peuvent donner pour Liboke servira véritablement à quelque chose pour les plus démunis et ceux qui en ont besoin. Aux autorités de la RDC de penser aussi à cette association. Soucié de contribuer au développement de son territoire, le chef coutumier Libili Meko Dikimpe du village Dielobinza a créé la fondation Kimpe Pierre Mikasi Bokola Batu, une initiative mise en place dans le but d'aider la population de cette contrée de la ville avec plusieurs formations mises à leur disposition, entre autres auto-école, esthétique, coupe-couture, mécanique générale. Pour le chef Libilimé Kodi, l'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Libilimé Kodi a un projet, il y a Malamo, il y a une idée, il y a Malamo. On a sali auto-école gratuite pour aider la population. Il y a tantôt même Okeli, la population et le chef de l'État. Bateau Bazapé, utile, la carte du gouvernement congolais. Genouille, vous les bases à la carte de distraction à coin, comme la base d'odo, comme ça, n'importe quoi. Dans toute la bango vie à moto za moto so comme les bimela mela on y a tivi na yo mambeta jeune singe il faut ayeba tant fort ayeba ke na koti mécanique pour le binazala nani
la côte auto école pour le bien dans la nani même ma jeune fille ma fille mère peut tout ça pour encadrer bah toujours pour bailler bah que na zo ça la esthétique pas ma Merlin na yeba okanga suki na yeba boye pour le bien dans la nani. Il demande par ailleurs la population d'apprendre davantage afin d'être utile dans la société. Via Moutesa Moussala, papa, vous en avez 100 000 dollars, vous êtes commerçant. Mais si vous êtes gérant, vous êtes le bureau Koya. Mais si vous êtes Moussala, vous êtes à Libéla. Tu vois, il faut que vous soyez jeune. Il ne faut pas tant comprendre que le bureau est le bureau Sala. Donc, pour les fondations qui peuvent vous apporter, comme vous l'avez dit, vous avez fait des choses. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Le peuple congolais a fait la matoï, a fait la ngaï, a fait la boîte, a comprendre que la vie est une vie. Ce qui est comme le peuple congolais, le peuple congolais, on est fini dans une vie comme inutile dans la société. Et pour élargir sa fondation, le chef Libi Limé compte collaborer avec d'autres villages environnants. Question de contribuer au bien-être de la population. Célébration, c'est 16 octobre de la journée internationale de l'anesthésie et réanimation sous le thème « Médication sécuritaire égale sécurité du patient ». Et en marge de cette célébration, la grande société d'anesthésie et réanimation en République démocratique du Congo a organisé ce samedi 15 octobre 2022 une matinée scientifique sur l'anesthésie au centre de la médecine moderne en RDC. C'était dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Plusieurs sous-thèmes étaient également développés à ce jour, entre autres le principe d'autonomie professionnelle des anesthésistes réanimateurs par Félicien Baïto-Bongwa de l'ISTEM Kinshasa, sécurité anesthésique en périopératoire par le docteur Stéphane Mutombo des cliniques universitaires de Kinshasa et la gestion des incendies dans les institutions sanitaires, thème développé par Maître Longo de la France. Une occasion pour les anesthésistes et réanimateurs d'interpeller le gouvernement congolais sur leurs conditions de vie professionnelle. Il y a d'énormes défis, des défis en termes de ressources humaines. Mais le deuxième défi, c'est par rapport aux ressources matérielles. L'anesthésie et réanimation est une discipline qui s'est fortement développée ces dernières années et donc ne peut se concevoir sans matériel. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui encore, en 2022, on puisse faire des anesthésies sans machine d'anesthésie, sans moniteur. Ça, ce n'est que le basique. Désormais, les anesthésistes et réanimateurs de la République démocratique du Congo vont travailler dans l'unité, ainsi pour le bien des patients et du pays. Nous sommes appelés à travailler ensemble et nous travaillons souvent sur des malades qui ne comptent que sur nous. Je n'ose pas dire que pendant l'intervention, pendant les opérations, c'est l'anesthésiste qui prend en charge le patient. Mais s'il n'y a pas cette unité entre les différents acteurs, c'est le patient qui va en pâtir. Nous formons une grande société. Donc nous travaillons ensemble, nous devons être aussi ensemble. On ne peut pas être divisé. C'est un mariage officiel entre les mares et les tares. Fini les guéguerres, place au travail. Elle était surnommée la Dame des Fers, la Mwamikazi Asrida, reine-mère du Mwamingweshe 15, Weza 3, Jean-Marie Joseph-Pierre Ndatabaye, Mouigiroa. Mwamikazi Asrida, première Mushikazi, a dirigé toute une collectivité, chefferie Obushi, décédée le 5 octobre 1992. Le 30e anniversaire de sa mort a été commémoré avec faste ce vendredi 14 octobre 2022 par l'Association pour le développement d'Ingweshe ADN à travers une messe d'action des grâces à la paroisse Saint-Sacrement à Binza Delvaux. Messe dite par Abbé Jean-Pierre Bakende Banga. Dans son homélie, le prédicateur du jour a interpellé la conscience de l'Auguste Assemblée sur le travail et la lutte menée par Mushikazi Asrida durant sa vie sur la terre pour le bien-être de la communauté et pour la République démocratique du Congo en général.
Faisons des loges à nos ancêtres, a-t-il martelé. La reine-mère du Mwami Ngweche 15, Weza 3, Mwami Astrida, a un parcours élogé. Légaliste, invétéré et loyaliste à toute épreuve, elle mena une lutte sans merci contre la déstabilisation des institutions nationales en général et contre l'évasion du territoire chi en particulier. Son fils Mwami Ngweche Weza 3 Ndata Baye lui dit sincèrement merci. Merci maman, merci Mwami Ngweche pour tout ce que tu as fait et merci pour ce que tu continues à faire aujourd'hui, à intervenir auprès de Dieu parce que nous sommes sûrs que tu es auprès de lui. Mushi Kazi Asrida reste gravé dans la mémoire de tous les Bagweshe qui saluent ici sa bravoure. Nous célébrons 30 ans de victoire de la Mwami Kazi Asrida Bujana qui a mené une grande lutte pour le développement du Bagweshe. C'est la dame qui a su mettre en exercice l'article 14 de notre constitution avant que cet article ne soit promulgué officiellement. Parce qu'au Bushi, cette dame a su respecter les droits de la femme. Mwami Kazi Asrida, les Bakweshe, vous dit grandement merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.